tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc là, on va continuer par rapport au film. Tout à l'heure, voilà, j'ai les versos qui sont en train de charger. Donc là, on va continuer. Donc on va voir quel signe on va bien vouloir me donner. Donc on va faire peut-être deux tas pour le prochain signe. On va faire autrement. Donc là, on a les poissons. Je vous montre, hein, voilà. Donc les poissons. Donc on va faire les poissons en deux tas. Donc on va choisir. Hein, donc on va prendre mon ange et on va prendre mon cœur. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Et puis, nous allons commencer et puis on va voir les messages que je peux vous faire pour passer, en fait, pour les poissons. Donc, on va commencer par mon ange. Donc, pour les poissons. Bon, celui-là, je n'arrive pas à le... Il est trop grand. Donc, je ne peux pas. Même pour l'attraper, là, ce n'est pas facile pour moi. Donc, on va voir. Hein. Pour les, poissons, on parle de limites qui vont être atteintes. On parle que par rapport à cette limite, je sais pas, c'est comme s'il y avait des choses où on va être dans une forme de, d'observation. Peut-être un peu sur, comment dire, des choses qui vont atteindre, comment dire, des limites, des choses par rapport à de la méfiance. Vous voyez, comme si vous alliez atteindre des limites, en fait. Et comme si, par rapport à tout ça, il allait arriver à un choix. Voilà. Un choix aussi, parce qu'on va vouloir... Il y a quelque chose qui va atteindre vraiment... des limites, des choses que peut-être vous avez pu accepter. On va vouloir, il va y avoir aussi des choix par rapport à l'authenticité peut-être d'une ou d'autre personne. Des choix aussi qui vont atteindre aussi des limites parce que vous allez vouloir quelque chose qui est réel, quelque chose dans l'authenticité. Voilà, on parle aussi de choix aussi... par rapport à une forme de limite, aussi par rapport peut-être à de l'assurance que vous allez arriver à prendre en vous, vous allez vous sentir plus sûr de vous, des choix aussi par rapport à une confiance en vous, en la confiance aux autres. Voilà, on parle de choses comme ça, de limites, des choses en fait que peut-être vous n'avez plus accepté, en tout cas pour le tas numéro 1. On parle aussi de passion, alors de passion, de désir, de choses voilà, qui vous rendent bien dans votre vie. On parle aussi de passion, on parle d'amusement, d'un épanouissement en fait personnel, de choses qui vont vous rendre heureux, joyeux. On parle vraiment de choses en fait assez personnelles hein, pour les poissons. Bon. On va encore regarder une fois parce que j'aime bien
Ouais, on parle de passion, on parle de musique, on parle de vibrations, on parle de silence, de choses, voilà, on va aller vraiment à son rythme, on va s'écouter. Vous allez écouter vraiment votre cœur, ce qui vous rend bien. Vous voyez, voilà, il y en a certains, ça va être, ils vont avoir le désir de se retrouver sans bruit, dans le silence. D'autres vont écouter peut-être de la musique, leur désir pour s'épanouir. Voyez, faire des choses vraiment qui sont en vibration avec vous-même. Voyez, écoutez vraiment votre cœur, vos désirs, ce qui va vraiment vous épanouir. Ouh là là, vous épanouir en fait les poissons. Moi, j'ai du mal à les attraper, ces cartes, parce que j'ai des trop petites mains. Voilà. Donc, pour moi, on va vraiment s'écouter. Hein. Bon, ouais, on parle vraiment que on va s'écouter. Voilà, vous allez faire des choix pour vous. On parle de votre plaisir. On parle de, ouais, vraiment, vous allez être à l'écoute. On parle aussi par rapport aux poissons d'une forme de beauté qui peut être intérieure, mais aussi extérieur, hein, ou même les deux. On parle aussi de votre sensualité, de votre côté un peu peut-être gourmand ou dans la gourmandise, hein. Donc on parle de plaisir. On parle aussi de votre troisième œil pour certains. Donc on parle de quelque chose de voilà ou qui va se développer ou qui est en train de se développer. Voilà, on parle vraiment de cela pour les poissons, on parle vraiment du chakra du troisième œil. Ah, bon. On parle aussi de beaucoup d'intuition, d'instinct, de votre chakra du troisième œil, de votre beauté, donc je vous le dis, intérieur, extérieur, votre côté vraiment sensuel, sensualité, de votre côté aussi très gourmand ou très gourmande, hein, tout dépend. Mais c'est vrai qu'on parle de beaucoup de sensations, de choses qui arrivent, vous voyez, qui sont en train vraiment de se développer, de prise de connaissance aussi par rapport à votre intuition. On parle donc aussi du troisième œil, de sensation, de confiance, de force qui est en train vraiment de se développer en fait par rapport au poisson. Ouais, on parle vraiment que vous êtes guidé, vous êtes soutenu. On parle de signes d'intuition assez puissantes, vous voyez. On parle d'amour aussi, de signes par rapport à votre vie votre vie sentimentale. Vous allez être guidé dans la bonne direction. Vous allez avoir des signes, des sensations. Vous allez avoir aussi des prises de connaissances, plus de confiance. Grâce aussi à des signes, à votre instinct, par rapport aussi au chakra du troisième œil. On parle de plaisir, on parle de soutien en amour. Vous allez trouver votre direction. On parle aussi de soutien par rapport à des personnes au niveau de votre intimité. Au niveau de votre intimité, au niveau de de vos amours. On parle aussi de soutien, on parle de liberté, on parle pour les poissons de tolérance, on parle de confiance, on parle de soutien, que ça soit familial, que ça soit sentimental. Vous allez recevoir des signes par rapport à votre instinct, des sensations, des prises de connaissances. On parle aussi de confiance par rapport au rapport aux humains. On parle aussi pour les poissons, on parle d'un pardon, comme si on allait, bon, ça peut être vous, que vous devez vous pardonner quelque chose, après ça peut être quelqu'un d'autre, hein, pardonner à quelqu'un. Mais on parle que... Vous allez, de toute façon, il va y avoir un pardon. Vous allez lâcher prise sur quelque chose. Vous allez avoir une guérison. Et tout cela va vous faire grandir, va vous apprendre des choses. On vous dit aussi, on parle
Ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous, mais on parle de personnes qui vont éprouver de la compassion par rapport à une personne ou des personnes. Hein? Bon. On va lâcher prise, on va guérir sur quelque chose, ça va vous apprendre des choses, ça va vous faire grandir. On va retrouver sa santé physique, on va retrouver sa vitalité, on va retrouver de la force, on va retrouver vraiment un équilibre en fait dans sa vie. Ah bon. On vous parle aussi que par rapport à votre instinct, votre intuition, on vous dit aussi d'écouter vraiment votre voix intérieure, d'avoir vraiment confiance en vous, hein. Voilà, de vraiment vous écouter, hein, voilà, hein. Ayez confiance en vous, hein. Ayez confiance vraiment en vous. Ayez confiance vraiment en vos actions, hein, que vous allez faire. On vous dit vraiment de ne rien lâcher, d'avoir confiance en vous, de persévérer en fait, d'être toujours, d'essayer de rester dans, quand même, selon ce que vous faites, dans une certaine discipline et d'avoir toujours cette motivation. Hein. De toute façon, on parle de soutien pour vous, dans vos choix professionnels, dans vos choix de direction sentimentale ou autre. Hein. Vous allez être guidé. On parle aussi d'arriver à visualiser certaines choses, hein, comme si vous les touchiez déjà. Hein, de visualiser, voilà, laissez faire votre imagination, faites vos expériences. Il y a des choses qui vont se manifester, qui vont vraiment se visualiser par rapport à des rapports aux humains, par rapport aussi à la tolérance, par rapport aussi aux rapports humains, dans vos rapports intimes aussi que vous pouvez avoir dans vos expériences. Il y a des choses vraiment qui vont se manifester, hein, bon. Donc, on vous dit vraiment de ne pas lâcher. Hein, bon. Pour moi, vous allez vous faire plaisir. Vous allez lâcher prise. Vous allez guérir de certaines choses. Ça va vous faire mûrir. Ça va vous faire grandir. Hein. On parle, voilà, je vous parlais aussi d'éprouver. Il va avoir comme une forme de compassion. On va davantage s'ancrer. On va retrouver une stabilité. Peut-être davantage un esprit plus pratique, plus simple, plus... On va revenir vraiment à des choses essentielles dans la vie. On parle aussi de générosité, hein, par rapport aux poissons, au niveau de l'argent, des finances. On parle de personnes au grand cœur. On parle de... malgré tout cela, malgré l'abondance au niveau financier, on va revenir vraiment à quelque chose de plus simple. Vous voyez, on va rester, oui, dans une stabilité sur des choses comme ça, mais on va revenir à des choses beaucoup plus simples. Ouais, parce qu'on a, on a des buts. On a des buts aussi au niveau par rapport à de l'intuition pour certains. On a des buts, on a des passions. On veut s'épanouir, alors on va vraiment écouter sa voix intérieure, on va vraiment se faire confiance, les poissons. On va aussi apprendre des choses, de nouvelles choses par rapport à tout ça, par rapport, je vous dis, à votre intuition, par rapport à des connaissances, des sensations que vous allez avoir. Hein. Voilà, hein. Donc on va vraiment se faire confiance, on va écouter ses désirs, on a des passions, on a des besoins, on veut s'épanouir dans ses propres désirs. On va vraiment s'écouter, on va revenir à vraiment des choses beaucoup plus essentielles. Hein. Ouais. Parce qu'on parle vraiment d'un côté intelligent ou intelligente par rapport aux poissons et...
vous allez vraiment revenir à quelque chose de plus ouais, nature. Quelque chose de. Vous allez vraiment écouter vos désirs, votre cœur, vos besoins. Vous allez vouloir vraiment vous épanouir. Hein. Vous allez vraiment revenir à des choses essentielles, des racines hein, par rapport au rapport aux humains, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit sentimental. On parle vraiment de ça pour les poissons. Hein. On va lâcher prise. On va revenir vraiment, on veut de l'honnêteté. On veut de l'honnêteté, on veut quelque chose de clair, quelque chose de où il y a une transparence dans les échanges, dans la communication. On est en quête, on va être vraiment en quête de vérité et d'honnêteté. Hein. On va revenir vraiment à des choses essentielles. Ouais, on parle vraiment de conscience aussi, de connexion, de lumière, de, ouais, du chakra du troisième œil, une connexion vraiment. On parle de lumière, d'équilibre qui va revenir, de force. Hein. Donc, ouais. On va revenir vraiment à. On va prendre aussi ses responsabilités. On va vouloir vraiment revenir à des choses saines. Ouais, et puis même par rapport à vos biens personnels, des choses comme ça, vos finances, tout ce que vous pouvez avoir. On va aussi vous montrer quelle direction vous devez prendre. On va vous montrer aussi quelles actions vous devez faire. On va vraiment vous montrer le chemin. Et puis on parle aussi que vous allez être soutenu. Et puis il y a un truc aussi par rapport au rapport que vous avez avec d'autres, on parle d'un côté où vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup d'originalité, beaucoup de passion. Et il y a beaucoup de choses qui vont se manifester avec les autres. Mais en même temps, vous allez vouloir revenir vraiment à des choses essentielles, les poissons. Donc voilà pour le tas numéro 1 pour les poissons. Donc on va passer au tas numéro 2, pour voir un peu. Pardon. Donc on passe au tatou pour les poissons. En dehors, on change. Allez, oups. Donc les poissons. On parle donc pour le tas 2, on parle que vous allez avoir du changement. Vous allez avoir du changement. On parle par rapport à la fin d'un cycle et le début d'un autre, par rapport au fait qu'il y a des personnes qui sont connectées à l'univers, qui sont connectées à la source. Donc pour moi, on parle vraiment d'une fin et d'un nouveau démarrage. Il y a des choses qui vont changer en fait. Ouais, on parle vraiment de changement. De changement. Il y a vraiment quelque chose qui va changer en fait dans la vie des poissons. Voyez, on parle de la fin d'un cycle et d'un début en fait. Hein, par rapport à l'univers, par rapport aussi. Il y a des changements en fait qui vont arriver. On parle de changement en fait. Des choses qui sont toujours en mouvement, des choses, des changements constants, des choses qui avancent, vous voyez, petit à petit. On vous demande aussi les poissons, on vous demande aussi de, parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer, mais on vous dit de demander pour que aussi peut-être qu'il y ait des choses qui changent en fait dans votre vie, de demander aussi ce qui est bon pour vous, voilà, de demander à l'univers. Parce qu'on parle vraiment que vous êtes connecté à la source, de demander vraiment ce qui est bien et bon pour vous. On vous dit aussi que quand vous faites vos demandes, on vous dit aussi, parce qu'il y a des choses qui ont dû changer peut-être dans votre vie,
Mais du coup, on vous demande que quand vous demandez des choses à l'univers, des choses qui sont bien pour vous, de remercier lors de vos demandes, de ne jamais oublier de demander, mais de remercier pour tout ce qu'on vous donne dans votre vie, d'avoir aussi de la gratitude dans vos demandes. Hein. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, il y a quelque chose. On parle d'un début de cycle et on vous dit que vraiment d'accepter, il va falloir vraiment accepter ce qui va arriver en fait dans votre vie, hein, de vous autoriser. On vous dit aussi d'être dans une, d'imaginer déjà que vous recevez ce que vous désirez. D'imaginer que vous recevez déjà la vie que, en fait, vous souhaitez. Voyez ? Et surtout de rester dans l'authenticité. Hein. On vous dit toujours aussi de ne pas perdre confiance, de rester authentique, honnête, d'avoir confiance en la personne que vous êtes, d'avoir confiance aussi en vos capacités, de ne pas douter de vous. Hein, bon. On parle aussi que l'univers, que le divin, quand vous faites vos demandes, hein, quand vous faites vos demandes, donc on vous dit hein, d'avoir de la gratitude déjà dans vos demandes, mais quand vous faites vos demandes, d'avoir de la gratitude aussi pour ce que vous avez déjà et de remercier pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Hein. Parce qu'on vous dit que le divin vous entend, le divin en plus s'exprime en vous. Donc là, pour moi, il y a vraiment l'abondance qui va arriver. On parle qu'il y a quelque chose qui va changer. On parle d'abondance, de prospérité qui arrive. Donc, on vous dit d'accepter, en fait, de recevoir ce qui va venir. Hein. Bon, on parle vraiment d'attraction pour les poissons. On dit que vous êtes vraiment au niveau de la prospérité, des aimants très puissants. Hein. Donc, vraiment, on vous dit de visualiser ce que vous désirez de positif dans votre vie. Hein. Parce que vous êtes des aimants à tout ce qu'il y a. Donc, par contre, demandez des choses positives. Hein, parce qu'il peut vous arriver aussi des choses pas très bonnes. Hein, si on commence à vous demander. Bon. On vous dit aussi de prendre du temps pour vous. Parce que là, il y a des changements qui arrivent. Voilà, il y a des choses peut-être qui sont un peu longues. Donc, on vous dit aussi de prendre du temps pour vous, de vous détendre. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, mais on parle que il y a des changements, mais que ces changements mettent du temps. Vous voyez, c'est un mouvement constant, mais ça prend du temps. Ben, vous voyez, le temps. Donc, voilà, hein. C'est ça. On parle vraiment de quelque chose qui prend du temps. Vous voyez. Donc, on parle vraiment de prospérité, d'attraction, d'aimants très puissants. Mais, on vous dit de vous détendre, de prendre du temps pour vous, parce qu'on parle que du temps, que l'évolution de votre vie prend du temps. C'est ça. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais. Et du coup, on vous dit de vivre comme ça prend du temps. On vous dit de vivre dans le moment présent. Vous voyez, voilà, de ne pas commencer à vous dire bon, dans 2 ans, j'habite où? Dans 5 ans, je fais quoi? Est-ce que je change de métier? Vous voyez, trop vous. Ou dans 5 ans, est-ce que j'aurai des enfants? Ou non.
On vous dit de vraiment, parce que l'évolution prend du temps. Donc on vous dit de vivre dans ici, là, maintenant, de vous détendre, de prendre du temps pour vous, parce que ça prend du temps. Parle d'une rencontre. Par rapport à une rencontre, on parle de la fin d'un cycle, d'une fin. D'une fin par rapport à une rencontre. Donc, soit il va avoir une fin par rapport à une relation et le début d'une nouvelle rencontre, et où vraiment on parle d'une rencontre d'âme à âme. Après, ça peut être aussi des poissons qui ont eu une rencontre d'âme à âme qui a pris fin. Et où vous allez faire une nouvelle rencontre, après vous pouvez aussi connaître quelqu'un. Hein. Mais par rapport à une rencontre sentimentale, vraiment d'âme à âme, on parle d'une fin et d'un début de quelque chose par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Bon. Et on parle d'accepter donc la fin de quelque chose pour le redémarrage de quelque chose de nouveau par rapport à une rencontre d'âme à âme. Hein, de vous accepter, d'accepter cet amour en fait. Hein, bon. Et en plus, on parle qu'il va y avoir énormément de prospérité dans cette relation. Hein, bon. Donc là, on vous dit vraiment d'accepter. Hein, bon. Ah oui, on parle vraiment qu'il faut que vous arriviez à croire. Hein, à croire, à visualiser, à croire aussi en l'univers, à croire vraiment que vous êtes connecté à la source, à visualiser, à croire aussi que vous êtes des aimants puissants et que vous attirez à vous les bonnes choses, parce qu'en plus ça, on me le dit. Arrivez aussi à vous rentrer dans la tête, à croire que ou il va arriver une très belle rencontre, parce que ça, on me le dit. On parle d'une rencontre et de vraiment de quelque chose de nouveau par rapport, quelque chose de très beau par rapport à une nouvelle rencontre, ou alors par rapport à un changement dans une relation. Donc, on vous dit de rentrer dans votre tête, de croire que votre souhait va se matérialiser. Vous voyez ? Bon. Oups, il y a tout qui s'envole. Par rapport à cette rencontre, il y a quelque chose aussi, par rapport à des croyances, quelque chose qui peut freiner. Mais on vous dit vraiment d'y croire. Hein. Vraiment d'y croire. Il y a des changements. Hein. Par rapport à ça aussi, par rapport à des croyances, des choses qui doivent un peu retarder, des choses dans la vie des poissons. Il y a aussi comme si par rapport à un amour et des croyances, des choses qui freinent, comme si par rapport à une erreur peut-être passée, il y avait quelqu'un qui avait peur de se tromper. Mais on vous dit d'y croire. Et du coup, par rapport à cette erreur de se tromper, on parle que ça prend du temps. L'évolution est lente. Hein. On dit vraiment d'avoir confiance. Hein. Et je vous dis, par rapport au fait de cet amour par rapport aux poissons, on vous dit d'accepter ce qui est. Par rapport à un amour. D'accord ? D'accepter le fait si vous vous êtes trompé dans une histoire d'amour. Et de lâcher prise aussi sur des croyances. Donc, du coup, de lâcher prise sur cette peur. On vous dit aussi de lâcher prise et de vivre dans le présent. Hein. D'accepter ce qui arrive dans votre vie. Hein. Les poissons. Donc du coup, pour moi, il y aura un choix sentimental. Il y aura un choix sentimental où vous connaissez déjà quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va arriver.
et quelque chose de très prospère. Mais il y aura un choix. Vous aurez un choix à faire. Hein. On vous dit d'avoir la foi, de la foi en l'univers, la foi en cet amour, de croire, d'avoir vraiment confiance. Là, on parle vraiment de succès. Hein. De succès. Il y a de beaux changements. Hein. Pour les poissons, oh punaise, on parle vraiment de succès, de bonheur. Vous allez vraiment vous épanouir et vous réaliser. Hein. Malgré le fait que c'est lent, malgré le fait que vous avez peur. Ah oui, on parle d'amour. Hein. Ah oui. Accepter, on parle vraiment d'amour, de vous aimer aussi, hein, de vous accepter pleinement. Hein. Non, mais vraiment, on parle vraiment de lâcher prise, d'accepter le bonheur, l'amour, le succès, d'avoir la foi par rapport à cet amour. Hein. Donc pour moi, c'est plutôt magnifique. Hein. Donc voilà mes petits poissons, donc je vous fais de gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.